Salut à tous, Neo Anderson pour Endgames.com. Ce soir, je vous présente Gravel, un jeu de course développé par Milestone. Milestone, qui est bien évidemment spécialiste des jeux de course. Un studio italien à qui l'on doit tout récemment le jeu de motocross lié à la boisson Monster Energy, notamment, que vous pourrez retrouver directement en test sur Endgames. Bon, on leur devait également la saga WRC avant que Kiloton Games ne la reprenne. Ils ont comme ça TT Isle of Man qui sort très bientôt. C'est les pros, entre guillemets, bien entendu, du jeu de course. Et malheureusement, ils avaient un moteur 3D qui n'était pas top. C'est pour ça qu'ils avaient toujours un retard sur la concurrence. Ils sont maintenant passés, grâce à ce Gravel, à l'Unreal Engine et ça se voit. Il nous propose cette fois-ci un jeu de course complètement arcade, donc excite la simulation à la WRC. Ici on est dans l'arcade pure et dure avec des courses qui se veulent entre guillemets off-road, même si elles sont relativement toutes tracées. Pas mal d'environnements différents, 16 environnements différents, divers modes de jeu, mais c'est quand même le minimum syndical. On a le Off-Road Masters qui permet de faire une carrière, c'est une carrière très linéaire, pas de possibilité de choisir ses embranchements, ses sponsors, etc. On gagne des étoiles pour passer aux courses suivantes. On a la course libre avec, comme vous allez le voir, 16 environnements différents qui vont de l'Alaska. On passe également au Mont Blanc. On a Los Angeles, la Floride. Qu'est-ce qu'on a également? Las Vegas, le Grand Prix des Trois-Rivières. Y a plein de trucs comme ça. La Namibie aussi. Donc voilà, c'est assez sympathique d'abord. On a un environnement différent. Et puis on a un mode multijoueur, mais qui se contente également du strict minimum avec des parties que l'on définit avec son circuit, son nombre de tours, etc. Il y a des classements online et c'est tout. Il n'y a pas de vrai championnat pour le moment. Il y a également des défis journaliers qui sont proposés par les développeurs. Une course avec un bolide déterminé. Et c'est tout. Donc en une quinzaine d'heures de jeu, on a terminé le mode carrière. Et ensuite, on a le mode libre ou le mode online. On va prendre un petit décor sympathique. La Namibie peut-être. L'Alaska, elle est pas mal. Alors, il y a plein de courses différentes qui vont se débloquer au fur et à mesure de votre avancée dans le mode carrière. Il y a des courses classiques en circuit, mais également des courses où il faut aller d'un point A à un point B, et même des courses encore plus off-road, où là, vous allez devoir passer dans des portes pour éviter de vous faire disqualifier. On a une pléthore de véhicules avec de plus en plus de puissance. Par contre, il n'y a pas de caractéristiques vraiment visibles comme accélération, puissance, etc. Maniabilité, grip, tout ça, ça n'y est pas. Il faut vraiment les essayer petit à petit pour le voir. On a juste quelques petites données techniques comme la cylindrée et puis c'est tout. Bon, on va essayer un petit véhicule off-road très sympa avec diverses couleurs. Tout ça se débloque encore une fois dans le mode carrière. On va faire différentes options de course parce que ça j'aime plutôt bien. De nuit avec une météo pluvieuse. Et je trouve que là ça sent l'Unreal Engine à plein nez. Alors vous voyez qu'à chaque fois qu'on change des choses comme l'aide au freinage, on peut l'activer, la désactiver, on gagne des pourcentages sur l'expérience que l'on va avoir en fin de jeu. Expérience qui monte notre niveau de pilote et nous débloque de nouveaux véhicules. Voilà pour tout ce qui est un peu plus technique. Maintenant, allons-y gaiement, commençons cette course sous la pluie, vous allez voir que c'est plutôt sympathique. L'IA peut également être configurée sur divers modes, allant de très facile à très difficile, sachant qu'elle est relativement sur des rails et assez agressive. Je soupçonne même les développeurs d'avoir mis au point un petit système que moi je ne supporte pas dans un jeu de course, c'est la rapidité adaptative. Autrement dit, si vous êtes derrière, les concurrents vous attendent devant, de façon plutôt naturelle. Et si vous êtes devant, eh bien, à des moments donnés de la course, pour mettre la pression, les concurrents ont un boost de vitesse et vous rattrapent comme des dingues. Ça, ça m'énerve. Moi, j'aime bien de faire une course où si je suis vraiment le meilleur, eh bien, je suis le meilleur, quitte à prendre deux tours d'avance aux autres. Chacun a son trip. Ça ajoute, bien évidemment, au côté tendu, mais dans le sens où, par moment, on peut perdre une course vraiment sur le fil. Il y a moyen, par contre, si on fait une bourde, de récupérer grâce à un rewind qui devient maintenant quasiment la norme dans beaucoup de jeux. Voilà, regardez de nuit, c'est vraiment saisissant, je trouve. Hop là. Donc on a un rewind qui se maîtrise avec L1. C'est une option qui peut être désactivée. Même d'ailleurs sur certaines courses, c'est d'office désactivé. Et là, je vous dis pas la pression. Mais on est vraiment content de l'avoir pour la bonne et simple raison que
Eh bien, les collisions sont plutôt mal gérées. Donc là, vous voyez qu'on doit passer à travers ces portiques ici. Voilà, et là, on est vraiment dans des conditions climatiques assez violentes. C'est vraiment très très bien rendu. La nuit est bien faite aussi. On n'a pas une luminosité trop violente autour. Donc on est vraiment éclairé quasiment qu'à la lueur des phares et à ce qu'il peut éventuellement y avoir au loin, comme les portiques lumineux que l'on voit ici. Voilà. Les différents angles de vue également, pas mal d'ailleurs, de l'intérieur cockpit, intérieur capot, vraiment sur le capot. La vue interne à la Ridge Racer. Oups là, j'ai oublié un portique, donc je réapparais. Et différentes vues plus ou moins éloignées. Voilà. On va prendre celle-ci parce qu'elle est plutôt jouable. Donc le rewind, c'est L1. Et là, on est parti. On peut quand même revenir sur environ 10 secondes, plus ou moins. Ce qui permet de récupérer certaines trajectoires. Par moment, vous allez vraiment en user et en abuser. Bon, on va changer de course. Au niveau de la conduite, c'est excessivement arcade. Ça dérape pas mal. Il y a possibilité d'effectuer divers réglages sur les suspensions, etc. Très honnêtement, j'ai pas remarqué énormément de différence. Peut-être que les puristes verront quelque chose, mais moi, ça m'est passé un petit peu au-dessus. On va refaire une autre course libre, et puis vite fait, un Off-Road Masters. Alors, la Namibie peut être pas mal. Blue Paradise. Yep. Blue Paradise, avec une course comme ça. Hop. Deux jours. Avec un véhicule typé. Bah voilà, la Corolla. En mode V-Rally. V-Rally. Mon Dieu. Virtua Rally. Sega Rally. Voilà, je revenais plus sur le nom. Pas de nuit, non, deux jours, ce sera plus joli. Voilà. Deux jours, très facile, temps dégagé, ça me va, deux tours, allons-y gaiement. On est typique dans le Sega Rally. D'ailleurs, il y a un petit feeling Sega Rally, et surtout un feeling V-Rally. Pour ceux qui connaissent, c'était un jeu de course d'infogrammes sur PlayStation 1, l'un des tout meilleurs jeux de rallye du monde, selon moi, qui était aussi plutôt arcade, et qui proposait des environnements très très fouillés en termes de végétation. Donc il y a vraiment ce petit côté que l'on retrouve également dans ce gravel. Alors il y a des courses en Namibie notamment où il y a des déserts à perte de vue et vous devez passer d'un portique A à un portique B. Vous vous dites, je peux prendre n'importe quel chemin. Eh bien non, si vous sortez un peu trop, automatiquement, bim, vous êtes remis sur le circuit. Ça, c'est ce qui m'ennuie. Après, le jeu a des problèmes d'affichage. Vous voyez que les textures s'affichent parfois très tardivement. C'est un souci qui est lié à l'Unreal Engine, mais qui normalement ne pose plus de problème maintenant. Donc ça, voilà, sur un titre du genre, c'est dommage, surtout qu'on joue ici sur PlayStation 4 Pro, donc voilà, on n'est pas non plus sur une PlayStation 4 classique, on a quand même un gain de puissance. Alors voir ça, moi, ça m'ennuie. Il y a également, comme on l'a dit, des bugs de collision, des collisions qui sont pas toujours terribles. En général, quand vous heurtez un adversaire, c'est toujours vous qui avez le dessous. Vous ralentissez de façon plutôt très énervante. Oups, là, ça a été belle. Vous voyez que c'est arcade. Alors il y a des déflagrations, des déflagrations. Des dégâts sur votre bagnole, mais qui n'influent pas du tout sur la conduite. C'est plus visuel qu'autre chose. Alors là, on a le petit côté Sega Rally, V-Rally, moi que j'adore, quand c'est cette végétation, ce côté super luxuriant. C'est plutôt pas mal. Les petits points que vous voyez ici, ce sont des points de drift, on a également des points de saut, on a également des points quand on roule sur deux roues, parce qu'il est possible de rouler sur deux roues quand on est à la limite de l'accident par moment. Et ces points viennent s'additionner à vos points d'expérience en fin de course pour vous faire monter de niveau encore une fois. Donc on a les points d'expérience qui vous font monter de niveau, qui vous permettent de débloquer de nouvelles bagnoles. Et on a les étoiles en mode Off-Road Masters qui vous sont données si vous êtes premier d'une course ou dans les 5 premiers. Donc si vous êtes premier, vous avez 3 étoiles. Si vous êtes 5e ou 6e, vous avez 2 étoiles. Et en dessous, bah, c'est une étoile si vous finissez simplement la course. Au bout d'un certain nombre d'étoiles, vous débloquez l'accès à de nouvelles épreuves. Voilà, donc c'est tout en dérapage, tout en finesse. Il y a 3 touches, hein, l'accélérateur, le frein et le frein à main. Pas grand chose d'autre. Et forcément, avec le rewind, bah, c'est ultra arcade parce qu'on peut se vautrer comme une merde et reprendre sans aucun problème juste après. Vous voyez qu'il me colle complètement. Pourtant, j'ai mis très facile pour les besoins du vidéotest et je roule relativement bien, et ils sont toujours derrière moi. C'est ce que j'appelle la rapidité adaptative. Et ça, ça m'ennuie toujours dans un soft. On va essayer de faire une petite collision, ce serait pas mal. Tiens, de vous montrer des dégâts. Ah zut. Il y a des collisions qui sont complètement what the fuck.
J'ai une bagnole par exemple qui a fait pas moins de 15 tonneaux en l'air avant d'atterrir sur deux roues et de repartir comme si de rien n'était. Donc ça, les collisions, honnêtement, heureusement qu'il y a la touche rewind parce qu'elles sont gérées n'importe comment, je sais pas, il y a des choses qui s'envolent. Il y a aussi d'autres trucs plutôt marrantes. Bim, ça s'est raté. Notamment les petits drapeaux que l'on voit. Voilà, oh, là, 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 là. Les petits drapeaux que l'on voit ici, je vais essayer d'en choper un, regardez. Et par moment, voilà, ils se barrent mais dans des positions de fou. J'en ai un qui a tourné devant moi pendant 5 minutes, non-stop. Il était fou, donc c'était vraiment des gros bugs. Et là, bien évidemment, tout se passe bien. C'est quand même assez fou. Mais je vous le promets, d'ailleurs, on a même enregistré un extrait qu'on mettra sur la page Facebook, histoire de rigoler un petit peu. Un bon gros bug des familles. Bim. Voilà, tous ces effets sont plutôt rigolos. Hein. Ces effets d'eau, ces effets de vent, de brume, ces effets climatiques, tout ça est très bien fait. Ça rajoute à l'immersion. Par contre, les ombres, c'est également aussi what the fuck total. Parce que il y a des courses où les ombres apparaissent... mais lorsque votre voiture est dessus. Donc il y a une montagne, vous êtes à flanc de montagne, il devrait faire sombre, et en fait il fait super clair. Et tout d'un coup, boum, l'ombre de la montagne se porte directement sur votre véhicule, et on n'y comprend pas grand chose en fait. Donc il y a des petits soucis graphiques, c'est un fait, il y a des gros bugs de collision, des choses qui ne devraient pas être permises. Une bagnole qui fait 20 tonneaux en l'air, en lévitation totale, niette. Moi je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Mais toujours est-il que c'est de l'arcade, donc on pardonne finalement tout ça. Voilà le fameux mode Off-Road Masters avec des courses parfois contre des stars du Off-Road Masters. Ce sont des courses sur circuit fermé dans la plus pure tradition américaine. C'est pas ce qu'il y a de plus jouissif non plus. Le reste est plutôt pas mal par contre. Et vous voyez qu'il y a pas mal d'épreuves, donc comptez une quinzaine d'heures pour tout débloquer. Sans réelle difficulté non plus. Qu'est-ce qu'on pourrait vous montrer? L'American Tour? Le off-road ici dans le désert, allez, off-road mixtape, let's go. Alors, on va commencer par l'Alaska, c'est pas terrible, on va en changer un autre, hop. Celui-ci, American Tour. Au Memorial Coliseum, niet, l'Alaska on l'a déjà fait. L'Oceania League, qu'est-ce qu'on a à vous proposer? Allez, la Iron Man, ce sera pas mal. Et on en restera là, donc Gravel c'est un jeu que je vais conseiller moi à tous les fans de course. Arcade, parce qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Vous voyez toutes ces textures qui s'affichent tardivement, hein, s'il vous plaît. On avait pas mal aimé le dernier Flatout, par exemple, dans le style course arcade. Mais c'est vrai que bah, ce Gravel rappellera de bons souvenirs aux amoureux de Sega Rally, de V-Rally et consorts. On peut faire mieux, c'est certain. Graphiquement, il y a moyen de trouver bien mieux, même si les effets climatiques sont très bons. On peut faire mieux en termes de contenu parce que ça reste un peu chiche une fois qu'on a passé ce mode carrière qui est ultra linéaire, il reste pas grand chose. Quand on voit des jeux comme Forza Horizon par exemple qui propose un vrai open world, on se dit qu'effectivement on peut toujours faire bien mieux que ce Gravel. Mais très sincèrement, c'est un bon essai de la part de Milestone. Tiens, vite fait les réglages bagnole, regardez, suspension avant, suspension arrière, hop, voilà, tout ce qu'on peut un petit peu modifier. Ça n'a pas beaucoup d'incidence, les transmissions, les freins, l'alignement aussi, que l'on peut bouger avant, arrière, why not. Lançons la course et allons-y. Donc si vous êtes fan de course arcade, ce Gravel est ce qu'il vous faut pour le moment. Oh, c'est des courses. Voilà, ça c'est le genre de course que j'aime pas. En gros, vous devez passer ici. Uniquement sur les flèches vertes. C'est le seul principe que je n'aime pas vraiment dans le jeu parce que ça casse le rythme de la course. Ces flèches sont complètement aléatoires. Si vous touchez la rouge, vous perdez du temps. Si vous touchez la croix rouge. Donc ça vous sort parfois des trajectoires où vous faites un saut et hop, tout d'un coup, vous avez une petite flèche qui apparaît au mauvais endroit. C'est pas l'idéal. Moi, je préfère bien prendre mes trajectoires un peu comme je veux et pas être obligé. Oh, ces bugs de collision. De devoir prendre les trajectoires que le jeu m'impose, et c'est dans ce fameux mode là où quand j'appuie sur L1 il ne se passe rien parce qu'il n'y a pas de rewind possible, donc c'est encore plus stressant. Mais au moins on vous aura montré le type d'épreuve qu'on n'aime pas du tout dans Gravel. Le reste est plutôt rigolo, c'est un fait, mais voilà, ce mode à la flèche, c'est pas mon trip du tout. Que ça ne vous empêche pas d'acheter Gravel, hein. Comme on l'a dit, si vous êtes fan de jeux de course arcade, il fait largement le job. C'est une bonne surprise de la part de Milestone qui décidément enchaîne les bonnes surprises depuis qu'ils sont passés sur l'Unreal Engine. Le jeu de motocross dédié à la boisson Monster Energy était également très
très bon et visuellement très aguicheur. Donc ils ont vraiment bien fait de larguer leur moteur de jeu antédiluvien et d'opter pour l'Unreal Engine. Ça leur laisse finalement plus de temps, puisque le moteur Unreal Engine est déjà un peu pré-optimisé, eh bien pour nous pondre plus de courses, plus de gameplay sympathique, etc. Bon, si vous pouvez nous pondre un peu plus de modes de jeu, ce serait pas plus mal non plus. Pour Gravel 2 peut-être, en tout cas, c'est une bonne licence en devenir. On vous la conseille et on vous dit à très bientôt sur endgames.com. Ciao !